Je suis à peine rentré hier de ce petit week-end entre amis que vous avez peut-être pu voir. Et je repars aujourd'hui à Arcachon pour un tournage avec Coca-Cola. Je suis très heureux. Alors ça va être très sympa. Apparemment il fait très beau là-bas. Ma voiture est dégueulasse, putain, mais c'est horrible. Elle est horriblement dégueulasse. Bon bref, direction l'aéroport. Mais avant, je passe à ma boîte postale. Alors, 184 là. La petite clé. Est-ce que ça va exploser? Seigneur Dieu. Oh, j'ai de la pub aussi, c'est plutôt cool ça. Ils vont mettre de la pub de merde dedans. Wouah. J'avais pas le temps de t'ouvrir maintenant, ça c'est sûr. Hein. Ah non. Ça nous sauve. Par contre, j'ai mis un pull, bon, que j'ai récupéré chez YouTube là, quand on avait fait la soirée. J'ai été un peu optimiste là, parce que il fait chaud quoi. Je suis pas sûr, mais je crois que c'est le début des vacances. Si. Blindé de monde, blindé. Il semblerait que je sois arrivé à Bordeaux, tiens. Bon, maintenant qu'on est arrivé à Bordeaux, il va falloir faire l'aéroport, la gare de Bordeaux, pour pouvoir prendre un train qui, je crois, est un TER qui dure 50 minutes jusqu'à Arcachon. Changement de plan, je devais prendre à la base un TER. Et en fin de compte, Pat et Gigné ont tourné pour Coca-Cola aujourd'hui, parce que je suis ici pour ça. Et en fait, quelqu'un vient les déposer à la gare, et du coup, on vient me récupérer. Et on va à Arcachon. C'est cool. Et ce soir, je mange sur la plage. Petite mise à jour dans son vlog, nous sommes arrivés à l'hôtel avec l'équipe, regardez. Ils sont éclatés, ils ont tourné toute la journée. Bonjour. Moi j'ai fait une heure d'avion. Donc et puis 2 heures et 2 heures de bagnole. Donc là on va manger parce qu'il est quand même 22h10 et je n'ai toujours pas mangé. Une chaussette. C'est une chaussette. C'est un concept. On a un peu de vent. On est venu chercher à bouffer parce que qu'il n'y a plus rien à l'hôtel. Elle m'a dit viens, tu vas voir la mer. Genre je l'ai jamais vu. Mais c'est trop beau. C'est trop beau. En plus là il y a juste un petit nuage, je sais pas si vous le voyez. Il y a un tout petit nuage rouge là. Putain, c'est beau. C'est beau. Putain, du sable. Il veut dire, il découvre la vie, tu sais. Donc là, on s'est cherché. Alors, on est quand même à Arcachon. La spécialité sont les fruits de mer, les huîtres. Et on vient bouffer quoi? Japonais. Voilà. C'est très bien. Tu es très content. Ça change. Ça change, hein? Surtout que j'ai mangé des sushis il y a 2 jours. Donc, tu vois, je suis plutôt très heureux. C'est beau, les fruits de mer. Les huîtres. C'est beau. Ici à Arcachon, alors ce matin du coup, j'ai pas très bien compris leur délire, mais en fait on va dans le bassin d'Arcachon pour faire justement du jet ski, sauf qu'il est 8h-20 et qu'il fait 18 degrés dehors. Cet après-midi il fait beau toute l'après-midi, mais la production donc qui s'occupe des vidéos de Coca-Cola ont décidé d'aller le matin faire du jet ski. Et je suis en petit short maillot de bain. Je vais crever. Tout le monde est équipé, c'est beau. Moi je suis équipé, c'est la deuxième fois que je mets une combi cette année. Bon, celle-là elle est une pièce parce que visiblement l'eau est à combien on a dit? 19 degrés. 12. Non, ta gueule. 19 degrés l'eau, donc autant vous dire que je vais avoir un peu froid. Ils m'ont dit de prendre des lunettes de soleil, je sais pas à quoi ça sert parce qu'il fait pas beau du tout. Malheureusement, il commence à faire beau à 13h, sauf qu'à 13h on a fini. Bon, vous avez prévu du beau temps. C'est pas au programme. La boue.
Bon, on est arrivé à bon port, on a fini. Maintenant, on a quelques petites scènes à terminer de filmer, puis ensuite, bah, globalement, manger. Je dois aller pisser, j'en peux plus. Toute cette hausse, nous allons pisser, dis donc. Nous avions l'invité du jour qui est ici, qui s'appelle Light, qui a le bout des cheveux rouges devant. Et c'est très sympa, je le présente tout à l'heure. Je n'ai jamais vu une coupe de cheveux pareille. Comme ça ? Je me dis quand ça filme. Mais ça filme là ? Ah merde. Ah mais moi c'est sur le vif, tu sais très bien que le vlog c'est sur le vif. Il était pas prêt. C'est très mignon ce couple, il a fait ça ce matin il m'a dit en plus. Et c'est pas du rouge, c'est du pink quoi ? Non alors en fait c'est du red fire, mais tu connais pas, tu peux pas. Bah non effectivement j'ai les cheveux mélangés avec du orange pour faire du rouge pur, tu sais. Ah. Le rouge parfait. Mais le rouge sanguine. Ouais non. Comme Ah oui pas mal. Et putain, oui, t'as sorti avec la combi. Les pompes et tout. Et j'ai failli me faire. Qui est aussi. Donc, attends, comment t'as fait pour être tiré au sort, Snapchat ? Alors, je suis allé sur Snapchat, j'ai ajouté Coca-Cola. Ah ouais, c'est sur le Snap alors ? C'est exactement ça. Et après, j'ai fait que les harceler avec des vidéos de danse et voilà. Voilà. Vous voyez comment il faut faire pour participer à un prochain épisode ? Et voilà. Faut que j'aille pisser, j'en peux plus ! Je sais pas si vous vous souvenez, enfin, si c'est pas très dur, je vais revenir un petit peu dans le bleu quand je suis passé ici ce matin. Donc, je suis passé sur cette rue et j'ai regardé à ma droite, j'ai filmé à ma droite les bateaux. Ils étaient tous dans l'eau. Et là ? Il y a la marée basse et il n'y a plus un seul bateau dans l'eau. Regardez ça, ils sont tous sur la terre. C'est incroyable et ils m'ont dit qu'ici, il y a vraiment une marée basse assez violente. Donc voilà pourquoi ça fait ça. Je ne connaissais pas Arcachon, je trouve ça très sympa. Apparemment, ils ont un truc exclusif qu'ils ont que ici, en France. C'est le jetpack. Donc en fait, c'est genre en gros comme le flyboard, mais en jetpack. Donc il faudra que je revienne ici pour faire ça. J'y dis, tiens. On est quand même à côté de Bordeaux, je me suis dit, j'allais quand même prendre du vin. On passe des moments très intimes dans cette voiture, tous serrés. C'est beau, hein, c'est beau. On n'en peut plus. Non, je vous explique pour le délire pourquoi est-ce que maintenant je suis là. Donc là, j'ai quand même une vue un petit peu imprenable sur la mer, hein, tout simplement. Sur le bassin d'Arcachon, exactement. Alors, je vous explique parce qu'en fait. Là on a fini donc toute la journée etc jet ski donc il reste encore quelques plans à faire parce que comme vous le savez peut-être pas, hein, même sûrement pas. Des fois quand vous tournez des vidéos par exemple là on a tourné donc la vidéo toute la journée mais on n'a pas encore fait l'intro. C'est à dire quand on vient m'annoncer que je vais faire du jet ski et tout parce qu'on fait ça en général en fin de journée parce que le temps fait que c'est mieux de le faire en fin de journée ou justement en termes de timing on n'avait pas le temps de le faire en début de journée. Du coup là en fait ils nous ont prêté pour filmer justement ce dernier plan la suite de l'hôtel qui donne justement sur la mer. Donc oula, c'est un petit peu grand. Alors j'ai jamais vu une douche comme ça. C'est genre la douche, on peut dormir à 8 dedans. Genre juste dans la douche, on peut dormir à 20. Donc c'est fort sympathique et du coup ils nous prêtent justement ça pour ce dernier plan. En fait c'est Light que vous avez vu hein, tout à l'heure avec les cheveux rouges là. Qui vient me réveiller en mode ouais viens j'ai un truc génial à t'annoncer tu vas voir c'est une surprise alors que je sais exactement ce que c'est donc c'est pour ça que d'ailleurs vous avez peut-être vu dans le vlog qu'on avait fait sur plateau avec Pat et Emma que justement des fois on sait les choses mais on n'a pas le droit de les dire donc c'est très très drôle. Je rentre à Genève plus tôt parce qu'on a fait le tournage plus tôt. Je suis tellement content pour rentrer chez moi et monter ce vlog tranquillement là plutôt que de rester à Bordeaux. À la base, je voulais voir Paté Jigmé, il n'y a pas de D. Du coup, je peux rentrer tranquillement. Je suis très très content. Je peux parler. Il n'y a personne dans ce vlog. Personne. C'est vite. Je regarde ici, je suis vite, c'est bien. T'es blessé à la cheville. Et non mais je joue que du pied droit. Explique-nous ton anecdote, comment tu t'es fait mal? J'étais en train de snapper, je sais plus ce que je... Oui vas-y. Je sais plus ce que je snappais et en fait...